Oh. Bonjour, je pense qu'on peut commencer. Mon nom est Emmanuelle Frère, je suis coordonnatrice générale d'Hexagramme, mais aussi professeure associée à l'UQAM. Je vais introduire cette deuxième midi-rencontre sur exposition présentée par le laboratoire Mimesis en collaboration avec Hexagramme. Cette rencontre est la deuxième d'une série de trois. Surexposition invite donc des créateurs et des créatrices, des experts, des étudiants à présenter les travaux et les initiatives portant sur les modalités de création, de diffusion, exposition et médiation artistique par les nouveaux espaces virtuels et immersifs. Notre midi-rencontre d'aujourd'hui porte sur la diffusion. Depuis 2020, les processus de travail, les stratégies des créateurs ainsi que des organismes de diffusion ont dû être repensés et souvent improvisés. Comme nous l'avons fait il y a 2 semaines autour de la thématique la création, nous allons discuter aujourd'hui de nouvelles modalités de diffusion pour l'accès et le partage de projets de création et de connaissances par le biais des nouvelles technologies numériques. Nous nous intéresserons aujourd'hui particulièrement à des initiatives qui ont émergé dans des conditions immatérielles et de distanciation sociale, ainsi qu'à des nouvelles itérations de projets. Nous discuterons non seulement de contraintes, mais également d'opportunités, des cas d'accessibilité et d'interaction à certains égards améliorés par les modalités d'interaction virtuelle. Qui dit diffusion dit aussi médiation. Donc aujourd'hui, nous traitons aussi des échanges qui ont lieu dans les espaces immersifs et par la réalité augmentée. Les midi-rencontres sur exposition sont bilingues. Elles sont ouvertes à tous et à toutes et s'adressent aux organismes, aux communautés de praticiens et de chercheurs et à la communauté étudiante. Je suis accompagnée à distance cette fois-ci de Yann Breleux, artiste et professeur au NAD, qui animera cette session et à qui je vais céder la parole juste après vous avoir rappelé que la troisième et dernière midi-rencontre de surexposition se tiendra donc dans 2 semaines, le 10 juin, sur la thématique exposition avec Myriam Achard et Daniel Fizet du Centre Phi comme experts invités. Nous avons aujourd'hui l'expert invité Alain Thibault que je vais laisser Yann introduire. Donc, à toi, Yann. Merci beaucoup, Manuel. Donc aujourd'hui, on a un programme assez chargé. Donc, débutant avec Alain Thibault, Jessica Duarte, Arnaud Lafont, ensuite Jean-Brasse Vessac et Reda Alouache. Et nous terminerons avec une présentation par l'artiste Le Courchêne. Donc, premièrement, je vais présenter Alain Thibault. Alain Thibault est une des figures majeures de l'art numérique à Montréal et aussi sur le plan international. Commissaire et directeur artistique dans le domaine de l'art numérique et de la musique électronique depuis plus de 20 ans, 25 ans même. Alain Thibault est le fondateur de deux événements majeurs à Montréal, Electra, un festival annuel qui présente des performances en art numérique depuis 1999, et la BIAM, la Biennale internationale d'art numérique, axé sur les expositions, les installations et l'art public depuis 2012. Également compositeur de musique électronique, son travail a été diffusé au Québec, au Canada et à l'échelle internationale. Et je peux le dire, j'ai participé à beaucoup de ses projets. Et ça me fait plaisir d'introduire Alain Thibault. À toi la parole. Merci, merci, merci. Donc, je commencerai par une courte introduction sur Electra et ensuite, justement, on sera dans le thème de cette session-ci de surexposition sur les nouvelles modalités de monstration. Je vais partager mon écran et voilà. Donc, on voit bien mon écran, c'est bon. Electra, donc, je l'ai fondée en 1999. On a surtout présenté
À partir de 99, des performances audiovisuelles. On s'est beaucoup attardé aussi sur à présenter des œuvres multi-écran au début. Et tranquillement, le type d'œuvres qu'on a présentées s'est étendu vers des performances laser, des performances immersives, des performances robotiques, etc., etc. Bonjour. Oui. Est-ce qu'il y a un... OK, j'entends quelqu'un. Excusez-moi. Donc, je continue. Electra aussi, c'est un marché international de l'art numérique depuis 2017 qui permet justement aux artistes québécois-canadiens de rencontrer des diffuseurs, des curateurs, curatrices internationaux afin de diffuser leurs œuvres à travers le monde. Mais, et aussi le contraire, et de mettre en contact... les diffuseurs internationaux avec la création d'ici. Et c'est aussi le producteur d'une initiative qui s'appelle Digital Québec ou Québec numérique, qui a été présentée à Paris, Bruxelles, Londres et Rome à quelques reprises. Et la dernière itération a eu lieu à Aix-en-Provence durant la Biennale Chronique ici en France en 2018. Depuis 2019, on a ouvert aussi une petite galerie d'exposition dans le pôle de Gaspé, sur la rue de Gaspé à Montréal. Et depuis 2012, notre activité principale est devenue la Biennale internationale d'art numérique. Lors de cette biennale, donc, on a un focus sur un pays ou une région du monde en particulier. Donc, en 2012, c'était la France. 2014, la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2016, ce fut la Suisse. En 2018, l'Allemagne. Et en 2020, malheureusement, ce fut annulé, mais le focus devait être sur l'Asie de l'Est. Donc, l'idée de la Biennale, c'était bien sûr de fédérer l'ensemble des communautés en art visuel contemporain ici à Montréal, autour du numérique. Donc, depuis 2016, nous pouvons présenter une exposition de plus d'un mois chez Arsenal Art Contemporain. Je vous montre la vidéo promo pour ceux qui ne l'ont jamais vue. Troisième biennale était Automata, l'art fait par les machines pour les machines. Voilà. En 2018, nous avions l'Allemagne comme pays invité avec Monsieur Peter Weibel comme commissaire invité. Peter Weibel est un artiste et c'est le directeur du ZKM à Karlsruhe en Allemagne. Et voici la vidéo promotionnelle dont la thématique était Automata. Chante le cor électrique. Thank you.
La pandémie nous a forcés ou on nous a donné l'opportunité, entre guillemets, de développer un nouvel aspect de nos activités, c'est-à-dire le pouvoir reproduire en 3D les expositions que nous présentions. La cinquième biennale est annulée, donc on a quand même pu profiter du fait que la commissaire invitée coréenne, Madame Doen Choi, devenue directrice artistique du Hyundai Art Lab à Séoul. On a pu profiter du fait que on a pu présenter une exposition sous la même thématique, Métamorphosis, au Hyundai Motor Studio à Séoul. Donc, ici, voici une image d'une œuvre de Justine Aimard, artiste française. Et ce fut l'occasion, donc, une œuvre de Mathieu Bédermann, artiste montréalais, ici, sur les écrans extérieurs. On a pu profiter de cette occasion pour justement créer une première version de ce que pourrait être une exposition 3D. Donc, ici, vous avez la photo de l'exposition actuelle, ici la représentation 3D. À partir de cela, on a continué à développer notre expertise et ici, je vais vous présenter ce qu'on appelle notre démo reel qui va vous démontrer un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent, les trois expositions hybrides. Et vers quoi on s'en va avec notre projet de musée virtuel. Imagine your museum, your gallery, your exhibitions, accessible to the planet. It is now becoming essential to be visible in this global digital ecosystem. Electra has acquired expertise and sensitivity in the realistic reproduction of 3D virtual exhibitions. Accessible through the simple use of its browser, visitors can wander at their own pace through the proposed exhibition. Visitors can also access documentation on the artists and their artworks. Over time, your virtual museum will become a place of socialization and encounters between the public and art. Your 3D virtual museum thus becomes a tool for promotion and audience development. Electra offers you the possibility to digitize your spaces and reproduce your exhibitions designed by your curators. Electra also offers solutions for the monetization of your artistic activities and investment strategies in the art market. The virtual museum will expand your reputation around the world while promoting knowledge and education. Please visit our exhibitions to convince you of our expertise in this field. Electra. Virtual Museum. Donc, la deuxième exposition hybride que l'on a présentée, mais en fait, on a eu l'opportunité de présenter une exposition chez Arsenal Art Contemporain en octobre 2020, mais malheureusement, 3 jours avant l'ouverture, le gouvernement québécois a tout fermé ici. Donc, ici, vous avez quelques images de l'exposition que personne n'a vue. Mais on a quand même pu faire une version 3D de cette exposition ici. Donc, si je reviens sur cette image, ça, c'est la photo réelle. Ça, c'est la reproduction en 3D. La photo réelle de cette œuvre de Roichi Kurokawa, une image, une capture d'écran de la 3D, Louis-Philippe Rondeau. Ici, vous avez les salles de l'Arsenal.
petite visite en accéléré. Donc, pour nous, c'était important à l'époque que les gens puissent avoir accès à l'exposition directement sur leur, avec un navigateur web. Petite visite accélérée ici de l'exposition. Kurokawa, Justine Aymar, Réfi Canadol, Adad Anna, artiste canadien basé à Vancouver, Lou Yang, basé à Shanghai, Daniel Rigui, ouh! Et voilà. Michel Debrun, le projet Cloudface, Herman Colgan, Samuel Saint-Aubin, le duo Exonemo, et voilà. Et toute la documentation était disponible sur la page web. Et voilà. La troisième exposition que l'on a faite est encore à Séoul, au Hyundai Motor Studio, qui finalement, étant toujours en période de pandémie, on a, avec la curatrice invitée, on a fait une espèce d'hybride entre l'expo qu'on avait essayé de présenter chez Arsenal à Montréal et une nouvelle expo qui va être présentée à Séoul. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, sur les écrans extérieurs, c'était une œuvre de Herman Colgan, artiste montréalais. À l'intérieur aussi. Donc, on avait gardé quelques œuvres qui étaient là précédemment. Réfi Canadol, qu'on a amené à Séoul. Ici, la représentation 3D de cette expo. Donc, Tim Void, qu'on avait présenté en 2018 à Arsenal. La 3D. Cloudface. Cloudface et Adad Anna. The second collaboration with the Hyundai Art Lab in South Korea, Metamorphosis Volume 2, is presented in Seoul at the Hyundai Motor Studio from December 20th, 2020. Is a live visit of the 3D virtual version of this exhibition. Donc pour les personnes qui avaient des difficultés à faire la visite, on a quand même prévu de filmer les visites que nous faisions nous à l'intérieur des espaces 3D. Donc la deuxième version. It is important to Electra that our virtual exhibitions are as easily accessible as possible to everyone. Hence, our choice to be able to visit these exhibitions using a web browser used by all on a personal computer in order to avoid the downloading of a specific application. Donc, jusqu'à présent, on s'est surtout intéressé à reproduire des espaces d'exposition et des expositions qui existaient déjà. Le projet que vous voyez, l'image que vous voyez, donc c'était pour une activité professionnelle qu'on a présentée en collaboration avec la Biennale Chronique cette année en 2021. Biennale Chronique qui est basée à Aix-en-Provence, Marseille, en France. Dans ce cas-ci, c'était une activité plus axée sur les ICC, donc les industries culturelles et créatives. Et pour ce faire, on a créé un palais des congrès, entre guillemets. Donc, on s'est moins attaché sur l'idée d'avoir une architecture vraiment originale, mais quelque chose de plus fonctionnel qui nous permettait justement de pouvoir présenter les vidéos promotionnelles de 16 films, galeries, compagnies créatives ici à Montréal. Donc, la vidéo promo.
Et en fin juin, début juillet de cette année, nous lancerons notre musée virtuel, qui est bien sûr une création originale, avec une première exposition d'artistes internationaux. Donc, on se donne rendez-vous au début juillet. Nous aurons une deuxième exposition d'artistes québécois à la fin octobre, début novembre, et une troisième exposition encore d'artistes québécois-canadiens, cette fois-ci en avril 2022. Et je vous invite à visiter notre Google Arts and Culture pour revoir nos expositions en format 2D. Merci à vous. Merci Alain, je pense qu'on va avoir quelques questions d'abord de la part de Yann. Je pense que nous allons avoir quelques questions d'abord de la part de Yann et j'aimerais rappeler au public que nous sommes diffusés live sur notre chaîne YouTube et vous pouvez poser des questions sur le chat que je vais relayer à nos intervenants. Je viens d'intervenir, mais je pense que j'étais sur mute. Je vais me reprendre à dire que nous sommes diffusés live sur YouTube et que le public peut intervenir et poser des questions sur le chat de YouTube et je vais les relayer. Nous avons déjà une question sur le chat de Alexandre Castonguay. Il demande, est-ce que les efforts de musée virtuel, il y a une catégorie Net Art ou Post-Internet Art qui représente une forme d'art en réseau in situ? Je vais essayer. Merci de la présentation. Est-ce que dans les efforts de musée virtuel, il y a une catégorie Net Art ou Post-Internet Art qui représente une forme d'art en réseau in situ? Alain. Oui, ça fait partie du développement qu'on aura à l'intérieur du musée virtuel. C'est sûr que là, pour l'instant, on s'est attardé à essayer de reproduire le plus fidèlement possible des œuvres, soit des œuvres physiques, vidéo, interactives que l'on présentait. Et bien sûr, tranquillement, on va introduire des œuvres qui sont strictement, disons, numériques ou aussi qui requièrent, par exemple, une connexion Internet constante, donc des œuvres génératives, des œuvres procédurales aussi, donc, et bien sûr du net art, etc. Donc, oui, bien sûr. Donc, on aura vraiment un mélange de tout ça parce que on explore différentes techniques. Il y a des œuvres qui vont demander à être vues via des webcams, des œuvres physiques. Il y a des œuvres qu'on va reproduire par photogrammétrie. Les scans donc l'idée c'est vraiment c'est d'essayer de couvrir le plus large possible. Merci beaucoup, Alain. J'ai une dernière question. Quand la pandémie on va revenir à la normale, il va y avoir des expositions. Est-ce que selon toi, les initiatives, ben, ça semble être le cas, mais est-ce que tu vas toujours conserver le volet réalité virtuelle et environnement immersif dans le contexte des prochaines manifestations de la BIAM? Oui, pour moi, donc cette année, on construit disons, le premier grand pavillon qui va contenir trois expositions du musée virtuel. Notre plan, c'est vraiment d'avoir, je veux dire, on construit un musée au lieu qu'il soit en béton, il va être en chiffres, en bits, et puis avec une programmation à l'année, avec des événements, il va y avoir aussi une salle de concert et tout ça. Donc, et viendra, bon, bien sûr, l'aspect VR aussi,
à un moment donné. Et pour moi, c'est comme c'est un projet qui devrait durer ad vitam aeternam, j'espère. Merci beaucoup. J'ai une question de la part d'un des intervenants, Luc Courchesne. Est-ce que Electra va offrir offre un service de conception d'exposition virtuelle? Est-ce que ça fait partie des choses qui va se placer en parallèle? Exactement, exactement. C'est ce qu'on est en train de monter parallèlement aussi. Donc, pouvoir offrir ce service-là à n'importe quel musée à travers le monde, donc modéliser leur lieu d'exposition, leur musée, et puis modéliser les différentes expositions qui sont présentées pendant l'année. Ça fait partie de nos plans, oui. OK, super. Bien, merci beaucoup, Alain. Est-ce qu'il y a une dernière, est-ce qu'on a du temps pour une dernière question, Manuel? Il n'y a pas de questions sur le chat, mais moi j'en ai une pour Alain. J'aimerais savoir pour un organisme de diffusion, l'échelle des transformations que vous avez dû entreprendre pour ce virage dans la dernière année, vu que qu'est-ce que ça représente pour un organisme de diffusion comme Electra de prendre ce virage en termes de communication, en termes de positionnement et en termes aussi peut-être d'équipe et de ressources. Si je m'attarde à l'équipe, c'est sûr que ça implique tranquillement d'avoir comment dire, un autre type de travailleurs culturels que ceux que l'on a habituellement dans les organismes culturels, là, si on veut. Donc, ça implique d'avoir des gens qui sont plus ferrés en termes de web, programmation, etc. Donc, et c'est sûr que, je veux dire, sur tous les plans, ça va impliquer une expansion et puis des créations de nouveaux types de postes à temps plein pour pouvoir maintenir un musée comme ça à l'année, évidemment. Mais bon, c'était l'occasion pour le faire et puis c'était le bon moment pour le faire. On n'avait pas le choix et puis on continue dans ce sens-là. Merci. Je passe la parole à Yann. Eh bien, merci beaucoup, Alain, pour cette présentation que j'ai trouvée super intéressante et puis qui, d'une certaine façon, montre les nouvelles possibilités qu'amènent les réseaux virtuels. Maintenant, ça, c'est une surprise pour moi. On est au point où on voit littéralement un musée se mettre en place sur le virtuel. Donc, ça, je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup, Alain, pour ta présentation. On va passer à la prochaine intervention qui est de Jessica Duarte. Présentation. Je vais présenter brièvement Jessica. Donc, she studied image and sound design and specialized in video editing and post-production. She directed short film and feature-length documentary selected at international festivals. Also, she studied radio technical operation and works editing sound. In 2015, begins an investigation on immersive video and create a production company focusing on video clips and live music shows. She participated in the local and international VR exhibition, making collaborations and making his own. In 2018, begins a master in technology and aesthetic of electronic arts, and she developed interactive installations, programming, microcontroller, etc. Currently, she obtained a scholarship to work as a research intern at the UQAM, and she's finishing an art research on virtual reality and the body, creating wearable interfaces with electronic DIY. She believes in the body as an expressive communication device and that human evolution is in the coupling with technology, allowing augmented experiences. She wants to be a cyborg. À vous. Well, hi everyone. Thanks for the presentation. Yes, I would like to be a cyborg. I came to Canada since I got a scholarship to work as a researcher at UQAM in order to finish my master's degree thesis in electronic arts. And through my tutor, Alexandre Castonguay, I'm part of the Laboratoire d'Art and the Recherche École des Colonies de l'UQAM. I'm settled down in Montreal and I am looking to be in contact with other artists to share my project, to test the prototype,
and to talk about it. So I'm deeply grateful to Hexagram for giving me the opportunity to be here today. Okay, last year in July, the worst thing that could have happened at the end happened to me. My mother tested positive for COVID. Now she's fine, but at that moment, I panicked. This led me to research how to build a home respirator with Arduino with a car windshield wipe motor. When I went out for look for the materials, a question stopped me. If I had the knowledge to do this, why did I do it before? I had been testing how to measure respirators in the body with conductive yarn and do-it-yourself electronics. I'm looking for feedback in a VR application. So I wondered, what's I was looking with this? At that moment, I realized the meaning of the project that I'm going to talk about today here. I am developing a VR experience with full body tracking and wearables interfaces that in order to navigate, all you need to do is breathe. Breathing is the verb and the substance. Breathing is the verb and the substance that shapes the subject body space. Approaching the imaginary of the materiality of our breathing, invites to stop before a primordial gesture that, in face of the speeches on the emergencies of this pandemic area, has become vulnerable. There are many exercises to control our emotions and calm down through breathing. However, the respiratory function is impetus and will take over the situation again. The breath comes and goes, uses, accompanies, molds. You cannot learn to breathe. In fact, you must learn to be breath. What I mean is the only way to learn to breathe is observe your own body and become aware with the own rhythm. Its length is learned in this action. This is called an active knowledge, and it's come from the field of HCI. So faced with the premise, I'm interested in investigating how we can approach the expansion of our consciousness by directing our attentions to the movement of our body when breathing. Isn't that gesture of union on the internal world and the external world that dualisms unify? To be present in that act is to feel the pleasures to be alive. Being in presence offers us a feeling of being there with a better attention perception. So presence, a concept that has been traditionally been discussed by philosophers and cognitive psychologists, is now a practical and essential question of VR environment designs. It's a basic state of consciousness. It's the sensation that the user manifests of being there, which is evidenced in the way they interact in that space as if it become real. Virtual reality is a portal to these spaces. A technology that enables shelters in which we can become intimate with our essential selves. The immersive virtual space allows a unique convergence in which the immaterial is confused with the bodily felt and the imaginary with the strangely real. This paradox is its most singular power, and it can be used effectively to divert attention from our distractions. And it's proven that the virtual environment in experience is more effective when the interfaces are embodied.
So this project is an investigation of how to create my own wearable interfaces to establish a feedback loops that allows users to perceive their breathing in real time. Virtual reality becomes a powerful medium that activates these loops and enables synchronization with the environment, which become an active element in constant dialogue with the users. It's that allows to maintain and increase the illusion of presence. That is, I propose a sensitive exercise to attention to that gestures, to explore and find other ways to being and becoming the world. This prototype consists on a first person VR installation with full body tracking and avatars, developing in Unity 3D and with HTC Vive headset and trackers on the body. I use biofeedback sensors as wearable interfaces that I build myself. The sensors are controlled by an Arduino and send data to Unity via Wi-Fi. I made a respiration sensor and with an elastic belt with resistive yarns, and a pulse sensor with an oximeter. It's a receiver emitter of infrared lights that measures the amount of oxygen on the blood. And I would like to share you a demo of the VR application. So I'm creating hyperrealism immersed environment of nature because I feel that it's very important in this context of isolation to be able to relive experience that allow us to connect with the regenerative power of the nature. In addition, I use audio instructions to guide the user through a conscious breathing experience. The proposal is to make space with breathing as a way to navigate through the installation. To explain it, I would like to use an idea from the spiritual tradition of yoga that say we're capable of changing our reality through our breathing. Since the environment is sensitive to each user's breath. The aims of this project is to promote the cerebral state of relaxation and peace, an experience that allow us to develop agency over our body, to learn to awake on sense of interception. So that happens inside the headsets, it's able to change our real world. I believe this is the potential the experience offers. And this project is a research and development, is my master's degree thesis in electronic arts from the University of 3 de Febrero in Argentina. The research focuses on virtual reality and the body and explores how the medium impacts on perceptions, self-perception and learning based on theories of embodied cognitions and enacted learning. I'm currently looking for media artists, programmers, musicians, engineers and fashion designers to work in collaborate
to promote and expand this project. I need feedback from professionals from other areas to fit the project with a specific knowledge and also to share the creative process. So thank you for listening. Thank you. Very interesting to see the connection between your work and Chartivis and how you use the body to control and navigate inside the environment and see your own body and visualization of your own body. So I have a first question. I'm just wondering, do you think a photorealistic representation is essential to create meditative sensation? In this relationship, did you try abstract environments? Or as I saw in the video, is it in the transition between abstract and photorealistic nature you see this relation or the kind of state of mind you want to attain inside the virtual environment? Yes, I understand the question. Yes, I am looking for environment with nature, not abstract, because actually I don't think the user had to close your eye to be in the experience, you know, it's the opposite. And also I'm looking for environment of hyperrealism with nature, because really, I passed the quarantine in Buenos Aires alone in my home with my headset and my yoga practice. And yeah, I would like to be in nature, like making yoga, but yes, I combine this with my headset with the technology. So yeah, I'm looking for environment like in nature and hyperrealistic. Mm-hmm. And did you try the breath, or just like if you blow and this breath can change the environment, as an example? Yes, the point is I'm looking for a real feedback loop, because I try another experience, but it's like a guide of meditation or something like that, and say, a voice says, oh, when breathe like that and in this manner, but I try it and I think I need a feedback, something that show me how is my respiration, to create a loop and between my respiration and the responses in the environment, you know. So I use the breath to make a light to apply in sounds, to process sounds, and also to trigger sounds like the sound of the wind, and also to make a wind like the trees moves, and make a intensity of the lights, and also the texture of the body of the person when you realize you're on a first person perspective. You do it when you look at your body, you know. So all the movement you are in with your body have a response in the virtual reality world. Thank you. Very, very interesting. I have many other questions I should ask, but time is running, so I have to go to the next person. So thank you for your great presentation, and for the Hexagram conference, we will leave the name and all the collaborators inside. So if people want to collaborate with you, it will be possible. So our next presenter is Arnaud Lafont. Thank you. Bonjour. Next presenter, Arnaud Lafont. Donc, Arnaud Lafont est un artiste vidéo, plasticien numérique basé à Lyon. Son travail se caractérise par la création d'environnements virtuels et de matériaux générés par ordinateur. La couleur en tant que matériau brut est numériquement sculptée, traitée et altérée pour renaître dans des architectures vibrantes et lumineuses. Ses œuvres se situent à la limite de la science-fiction, à mi-chemin entre l'abstraction et la représentation, l'utopie et la dystopie, l'architecture et le paysage. Il travaille avec différents aspects de la vidéo, comme l'installation ou simplement le GIF animé et évidemment l'impression numérique.
Donc, Arnaud Lafont, je vous cède la parole pour votre présentation. Merci. Ben, merci, merci beaucoup. Moi, j'ai été invité donc, pour présenter mon projet et appelé Sphère. Je crois que je vous ai envoyé une vidéo, donc je ne sais pas si c'est moi qui dois la lancer ou normalement, parce que là, je n'ai pas eu l'information comme quoi c'est moi qui devais lancer la vidéo ou pas. Oui, non, ça va être lancé par nous. Ah, d'accord, très bien. Donc, parfait. Bonjour, je m'appelle Arnaud Lafont. Je travaille et vis à Lyon depuis plusieurs années. Je suis vidéaste et plasticien numérique et mon travail se caractérise surtout par l'utilisation de la couleur comme matière brute, que je sculpte numériquement pour la faire renaître dans une architecture vibrante et lumineuse. Mes réalisations prennent place dans différents lieux de diffusion, que ce soit sur le web, au sein d'expositions ou encore d'installations. Je vais vous raconter comment le projet Sphère est né. Depuis plusieurs années, je développe une grande fascination pour tout ce qui touche à l'univers. Un espace infiniment grand qui apporte chaque jour son lot de questions, de découvertes. Depuis 3 ans environ, mon travail s'intéresse aux étoiles. J'ai notamment réalisé, en 2017, l'installation Indar qui s'intéresse à la deuxième étoile la plus brillante de la constellation du Centaure. Cette installation fait un parallèle entre la durée que met la lumière d'une étoile à arriver sur Terre, plusieurs centaines de milliers d'années, et la vitesse des avancées technologiques. Au fil de mes recherches sur les étoiles, j'ai découvert le livre « La nouvelle musique des sphères » aux éditions Odile Jacob de Sylvie Vauclair, astrophysicienne et professeure de l'université Paul Sabatier de Toulouse, ainsi que Claude Samuel Lévin, premier prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Le livre a pour démarche la conceptualisation et l'étude des ondes propres à chaque étoile. Chacune d'elles émet une onde qui pourrait se traduire de façon musicale. De ma rencontre avec Claude Samuel Lévin et Sylvie Vauclair est né le projet Sphère. Tout comme il donne à entendre l'inaudible, je voulais donner à voir ces étoiles qui sont de moins en moins visibles. Dans nos grandes villes, où la pollution lumineuse et sonore est de plus en plus présente, j'ai eu envie de faire la part belle aux étoiles et de redonner à voir l'invisible et à entendre l'inaudible dans une installation interactive et sensorielle. L'installation. L'installation prend la forme d'un dôme qui surplombe le ou les spectateurs afin de créer un sentiment d'isolation visuelle et sonore. L'installation est composée en 2 parties. Un dôme, qui représente le ciel. Une carte interactive. La carte des étoiles. Cette carte des étoiles est un support physique qui reprendra les dimensions et formes de l'écran à une échelle plus petite. En déplaçant sa main sur cette carte, le spectateur déclenchera des animations visuelles et sonores associées en temps réel. L'image et le son dépendront de l'endroit où le spectateur placera sa main sur la carte. Cette interaction aura pour objectif de dévoiler, de façon visuelle et sonore, l'étoile survolée. Grâce au Deep Motion, nous viendrons capter l'onde de sa main pour activer l'onde visuelle et sonore d'une étoile. Tout comme les ondes sonores des étoiles sont imperceptibles, l'onde de notre main révélera ce qui est invisible. La représentation visuelle. L'interprétation visuelle de chaque étoile n'est pas anodine. En effet, chaque étoile représentée fait partie d'une classification scientifique. Les 12 étoiles choisies sont de classe unique, en commençant par les plus lumineuses et grandes, pour finir par les plus petites et lointaines. Ces étoiles ont tout un spectre lumineux unique. On débutera du bleu clair passant par des teintes blanchâtres, le jaune pour tirer vers le rouge et ainsi de suite en fonction de la taille de chaque étoile. Pour la forme, l'idée est d'imager comme une goutte qui tombe sur une surface liquide, une interprétation graphique de la propagation de ces ondes invisibles dans l'espace qui seront révélées grâce à cette installation. La représentation sonore. La représentation sonore des étoiles sera travaillée par Claude Samuel Lévin, qui a consacré beaucoup d'années de sa vie à traduire de façon musicale les données et recherches scientifiques de Sylvie Vauclair. En reprenant les ondes uniques de chaque étoile, il a pu en interpréter et déterminer un son unique pour celle-ci. De cette base, il a pu créer un index musical des étoiles et mettre en musique ses recherches.
la pollution lumineuse. Les grandes villes sont rissées de lampadaires, d'enseignes lumineuses, de lumière émanant des fenêtres, sans compter les phares des voitures. Toutes ces sources diffusent leur lumière dans le ciel et noient le faible éclat des étoiles. Selon le scientifique Christopher Kiba, pour la faune nocturne, l'introduction de la lumière artificielle représente probablement le changement le plus radical que les êtres humains ont fait à leur environnement. Presque tous les animaux ont des rythmes biologiques basés sur le photopériodisme. Dans ce contexte de pollution lumineuse, nombreux sont les animaux sauvages diurnes qui voient leur sommeil perturbé, avec des effets souvent dramatiques et potentiellement négatifs sur les rythmes biologiques, l'activité quotidienne et de la reproduction. À ce jour, seules émergent les étoiles les plus brillantes ou bien la Lune. Toutes les autres étoiles sont submergées par la lumière de la ville. Avec le projet Sphère, je souhaite faire une ode aux étoiles, leur redonner la part belle dans une installation sensorielle et interactive qui sollicite le toucher, l'ouïe et la vue du spectateur, l'invitant ainsi à prendre part à la démarche. Merci de m'avoir écouté, en espérant que le projet de la démarche vous plaira. Merci beaucoup. Très intéressant. La principale question qui me vient à l'esprit quand je vois le travail, c'est comment voyez-vous votre rôle dans le contexte de l'installation? Est-ce que vous voyez comme un artiste, un designer, un facilitateur ou simplement un artiste faisant partie d'une équipe qui réalise un projet de création collective? Oui, je pense que quand vous parlez d'artiste, je pense que c'est un peu fort par rapport à ce projet, car le travail a déjà été bien été interprété en amont. Donc moi, je suis plutôt, oui, carrément un facilitateur de faire passer un message et de pouvoir ensuite le montrer à un public éventuellement plus large, qui ne soit pas forcément que scientifique ou que axé sur la musique, quelque chose pour un peu toucher un panel beaucoup plus large. Donc, vous voyez, votre travail dans ce contexte-là, votre travail, c'est celui de créer les conditions qui permettent de transmettre des connaissances scientifiques très pointues, mais sous une forme expérientielle. Oui, tout à fait. Oui, carrément ça. Et dans ce contexte-là, est-ce que vous voyez comme un designer d'expérience? C'est vrai que le terme designer d'expérience, ça peut pas mal se rapprocher de ce travail-là. Je pense que oui, ou peut-être plutôt éventuellement... ramener de la poésie ou raconter éventuellement une histoire, mais aussi avec un message, là, comme j'ai envie de faire passer dans Sphère, qui est un message sur la pollution lumineuse, donc avec un message quand même assez fort, mais de façon plutôt légère et plutôt facile d'accès, oui, carrément. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent de... Oui. Moi, je vais avoir également une question pour Arnaud. C'est un projet vraiment fascinant qui est, je pense, très interdisciplinaire. Je veux dire, il touche à beaucoup de domaines de la science et dans la science, l'astrologie, la biologie même, comme vous avez mentionné. Et à la fois, il y a une dimension esthétique et par le son et par l'image, il y a aussi un volet expérience interactive. Où est-ce que vous imaginez la diffusion, la présentation et le partage dans quel contexte ou dans quel milieu vous imaginez? Et ben, comme vous avez pu dire au tout début, donc moi j'arrive à être assez large, que ce soit au niveau de la musique, de la science, et donc il y a en fait, moi j'ai pas mal réfléchi à certains sites de diffusion qui sont peut-être des lieux privés, comme en France nous on a le CNES, ou même après des grands lieux de diffusion. Il mélange entre musique, art et science. Mais je pense que tout le monde sait qu'en ce moment, il y a beaucoup d'événements qui sont axés très art et science, en fait. Et comme événement entre Paris-Saclay, ou sinon en France, on a Images Sonores, après, bien sûr, dans des lieux beaucoup plus grands. Mais ça, c'est en fonction de... Parce que là, pour l'instant, ce projet, je ne sais pas s'il a été nommé ou dit au début, il est il n'est pas encore en production du tout, hein, donc il est vraiment en... Là, je cherche en fait des gens pour produire ce projet, pour m'aider, pour me soutenir et ensuite éventuellement partir en diffusion. Merci.
Moi, je vais avoir une deuxième question qui est très, très technique. Peut-être vous pouvez expliquer un peu mieux le support de l'interface. Vous avez conceptualisé un objet tactile. Oui, tout à fait. Comment il fonctionnerait? Eh ben, avec le principe du Leap Motion, c'est une technologie en fait, qui est en fait un boîtier qui envoie des ondes en fait, par faisceau. Et en fait, qui détecte le mouvement de votre main. En fait, j'aurai les coordonnées exactes de chaque doigt de placer, bien sûr, dans l'espace. Et ensuite, je dirai en fonction où est placé le Leap Motion. Donc, à tel endroit où on place la main, cela déclenchera automatiquement des ondes qu'on aura générées par processing, en fait. Et donc, en gros, cette carte-là, en fait, qui reprendra éventuellement, si on reste sur ce dôme, donc une carte en forme de rond, un cercle, je veux dire, on répartira les étoiles sur cette carte à des endroits précis, et donc la main où la main se placera révélera la dite étoile. Très bien, merci. J'ai pas d'autres questions, Yann. Bien, merci beaucoup. Pour conclure, j'ai envie de simplement dire, bien, c'est un commentaire de geek, la Leap Motion stéréo, elle est vraiment formidable pour capter les mains, mais aussi elle peut mettre un peu de design d'interaction, c'est-à-dire on peut décider que si on pince avec les doigts, il se passe quelque chose aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Ah oui, évidemment. C'est pour ça que on peut vraiment... digué dans ce projet-là vraiment très très loin, parce que cette carte-là peut être utilisée uniquement comme un instrument de musique, là ce sera à voir avec le musicien, mais ou juste qu'on peut laisser le spectateur, en gros cette install peut être sur vraiment énormément de formes différentes, mais ça il faut qu'elle se réalise enfin, mais pour l'instant voilà, c'est sur le papier pour l'instant et en vidéo. Merci beaucoup pour merci beaucoup. Et c'est ça rejoint un peu le travail d'un de mes collègues, la prévisualisation, elle est très importante, donc elle nous permet vraiment, vraiment de montrer un concept comme s'il existait, mais de voir toutes les zones de recherche. Donc, merci beaucoup pour cette présentation fort éclairante. Maintenant, nous allons passer à Jean-Ambroise Vessac. Jean-Ambroise est un chercheur, un pédagogue et un artiste en création au niveau média. Ses recherches-créations explorent les réalités mixtes et les interactions humain-machine. Elle aborde l'hybridation, la coexistence et l'être ensemble numérique, un concept très important dans le travail de Jean-Ambroise. Sa pédagogie se revendique des humanités numériques. Il est membre de Perte de signal et de la Chambre blanche à Québec. Donc, je laisse la parole à Ambroise tout de suite pour lui laisser le temps de présenter ses projets. Bonjour. Ouais. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup, Manuel, de me donner l'occasion de partager un petit peu, de vous montrer ce qu'on a fait cet hiver. Alors, je vais partir ma présentation. Je m'excuse de faire quelques petites manips. Voilà. Ça devrait être parti. Écoutez, super, merci beaucoup. Voilà, donc je travaille depuis quelques temps, dans le fond, sur des pratiques en milieu de recherche, en fait. C'est une sorte de dérivé de la résidence, une sorte de hackathon que l'on fait en collaboration avec le petit théâtre du Vieux-Noranda qui nous suit et qui nous aide dans cette démarche, en fait. Je vais vous présenter dans le fond un concept de laboratoire sur l'interactivité dans l'intérieur d'un cours d'interaction machine en lien avec les arts vivants. On essaie d'innover en art et en non-culture, donc on essaie de prendre des risques. Puis aussi, on essaie de développer des compétences numériques, aussi bien pour des étudiants, aussi bien que pour des artistes professionnels et que pour des organismes également qui sont partenaires du projet. Ça fait partie d'une approche, d'une stratégie de transfert de mobilisation des connaissances, mais aussi de production des connaissances. Cette année, en 2021, nous avions le défi, comme tout le monde, d'engager du public en ligne et donc de développer aussi une dramaturgie participative, en fait, qui fasse le lien entre des espaces virtuels et physiques, dans ce cas-là, une scène de théâtre où il y avait une performance.
Pour cela, et en lien à tout ce qui se produit aussi dans la culture du jeu vidéo, mais pas directement du jeu vidéo, on a voulu essayer d'hybrider, enfin, de rapprocher simplement les pratiques des arts vivants et la culture. Donc, pour le dire simplement, Twitch, la diffusion sur Twitch, qui permet les commentaires. La sortie, en fait, le résultat de ces résidences, de ces laboratoires, ce sont des essais techno-artistique. Je place le mot essai parce que souvent on parle de prototype, c'est presque ça. Ça ne se veut pas en fait, évidemment, des projets terminés ou finis. La création, évidemment, c'est notre moyen, de questionner, évidemment, de créer des nouvelles possibilités qui seront en fait après partagées au milieu de pratique. C'est donc une manière pour nous, chercheurs, de favoriser le développement de nos partenaires, de faire du développement croisé. Cette année, on avait des chouettes participants que je trouve important de nommer. Natalia Soldera, étudiante en troisième cycle, qui travaille sur les pratiques théâtrales intermédiales. Olivia Malguitris de Concordia, qui travaille l'identité hybride dans la réalité virtuelle. Jean-François Robin, qui a donné une présentation ici, qui traite de la poétique de la tension entre virtuel et réel. Je me suis un petit peu approprié aussi le terme de la recherche, comme pourrait le faire un journaliste. Et Dominique Fontaine, un artiste d'Abitibi-Témiscamingue, algonquin, qui travaille sur l'art anishinaabe et les nouveaux médias. Alors, quelques mots sur la manière de faire, comment on s'est embarqué dans cette résidence de recherche-création. Et bien pour la structurer, on s'est servi d'une démarche de design thinking. Oh, non, on va traduire en français. Penser design, ouf, ça devient lourd. Ça veut dire quoi, design? Ça veut dire fonction, fonctionnel. Là, je fais un petit clin d'œil à Luc. Fait que là, je vais essayer de parler d'une démarche de pensée pratique, parce que dans le fond, on essaye de rapprocher les imaginaires techniques, c'est-à-dire la manière de se projeter, de faire de la prospective, qui en fait est un mélange du quoi et du comment, en fait, que l'on essaye toujours de traiter sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nos résidences, les techniciens ont un droit de parole, et évidemment comme les concepteurs, ça va sans dire. Notre approche, dans le fond, qui est plus au niveau du ressenti, c'est naturellement de naviguer collectivement de l'incertitude à l'imprévu, parce qu'évidemment, quand on essaie d'innover, on ne sait pas trop vers quoi on va. Je passe juste vous parler des techniques que l'on a utilisées. On a aussi des techniques sociales, ou du moins des manières de s'approprier ces techniques-là, de les utiliser. Une en particulier, c'était la performance qu'a fait Natalia, qui devait maintenir la tension, une tension dramatique, dramaturgique, entre le public en ligne et la scène. C'est un peu comme quand on fait une présentation PowerPoint devant son ordinateur. Ça demande un peu d'imagination. On nous a utilisé la technologie Augmenta, donc, qui permet, à travers des Kinect modifiés, de repérer des corps dans l'espace et donc ensuite de projeter ces positions dans un espace immersif, notamment photogrammétrie, création vidéo. Et on a épluché un petit peu l'API de Twitch pour pouvoir récupérer les commentaires. Je fais un peu de pub pour notre petit laboratoire. On a un super synthétiseur ARP 2600 FS qui a fait partie du lot, et c'est vraiment toujours très, très explosif de l'essayer. Donc là, je vous passe la petite vidéo qui va reprendre ce que je vous ai raconté. J'espère que vous l'entendrez bien. Un laboratoire, il faut le comprendre comme étant un lieu d'expérimentation. C'est aussi une manière de donner un accès aux connaissances pratiques qui vont permettre une professionnalisation de nos étudiants et qui ensuite enrichissent une réflexion théorique. Cette année, les objectifs, c'était l'être ensemble numérique, c'est-à-dire comment qu'on peut se sentir en groupe, comment qu'on peut sentir notre action de groupe à travers les médias numériques, donc simplement le Twitch pour cette année, et comment l'univers des jeux vidéo, pas simplement en tant que tel les manettes, le jeu, mais au-delà de ça aussi la culture de diffusion, la culture de rencontres, de commentaires qu'on peut trouver sur Twitch, peut s'intégrer, peut
être relié avec une dramaturgie des arts vivants. Je sais que Olivier a travaillé quand même dans, avec des thèmes aquatiques. Puis on se trouvait un peu à jouer avec, à être intéressé dans les différents états de l'eau. Puis là, on est comme, OK, t'as une minute. Ça, il y a des choses, tu sais, quand ça vient trop chaud, ça devient de la vapeur. Ça refroidit, ça devient de la neige, puis il y a tout ce cycle. On a vraiment voulu travailler les cycles. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est juste l'équipe de conception, eux autres, ils voulaient quand même un élément poétique. Puis ça s'est tout mis ensemble, puis j'ai juste sorti le mot. C'est de l'hydroparésie, juste comme une joke. c'est ça qui est arrivé. Ouais. J'ai pas mal travaillé avec Natalia en conception. Donc, comment on allait interagir avec le public sur Twitch, quelle était notre scène, qu'est-ce qu'on allait faire, quelle histoire on voulait faire partager au public. Donc, on a pas mal travaillé là-dessus. Ensuite, moi, j'étais pendant le live, j'ai contrôlé les mots, donc j'ai écrit les mots que Natalia voyait sur le plancher. Moi, j'ai géré toute la partie diffusion sur Internet. Donc, on a eu deux diffusions. Une sur Twitch, où il y avait des interactions avec le public via le chat et l'installation. Et une sur Facebook, pour toucher le public du petit théâtre qui est habitué à aller sur Facebook. Au théâtre, il y a une forme, on est physiquement présent, on projette sur des écrans avec des projecteurs. Et sur Twitch, on envoie à Twitch des captations de ce qui se passe sur place. On envoie aussi à certains moments des choses 100% virtuelles. Donc on a envoyé la scène Unity en Full HD à 100% de qualité. Sans captation vidéo, sans diffusion via... Donc directement de l'ordi Unity à Twitch. Je pense que mon rôle a un petit peu évolué. J'avais quelques idées en tête, mais techniquement, on n'a pas vraiment été vers là. Donc au final, j'ai proposé des vidéos qu'on a mis en texture par-dessus un modèle en 3D. Et voilà, donc j'ai essentiellement fait une composition de vidéos en mouvement. On peut appeler ça du VJing, mais c'est pas vraiment comme ça que je le conçois. Disons que c'est plus... un environnement immersif en mouvement et en utilisant un programme de VJing qui est vraiment fantastique et auquel je me suis remis un petit peu pendant cette période. Donc on communique avec chaque ordinateur entre nous pour s'envoyer des données, que ce soit des flux vidéo ou des données comme des mots, des points, des choses comme ça. Il y a Augmenta qui traque la performeuse dans l'espace. On a Resolume qui nous permet de faire le mapping et de créer une sorte de perspective dans le monde. On a fait du scan 3D, donc on allait avec des caméras, des drones dans la nature ici pour capter du contenu, aussi du son avec des micros. Alors on a tout retravaillé ça dans des logiciels de 3D pour en fin de compte intégrer ça dans Unity. Puis avec Touch Designer, on a fait une interface pour avoir un contrôle manuel. Et dernièrement, Châtaigne. Un peu le chef d'orchestre de toutes les données qu'on avait à envoyer à travers tous les ordinateurs pour toute la période de test, mais aussi pendant le live. Pour moi, les grands défis, c'est on travaille avec des médias différents, on travaille avec des langages différents qui ont vraiment chacune leur temps pour de développement. Alors pour moi, en tant que performeuse, c'est vraiment plus rapide d'expérimenter des choses différentes que dans Unity ou dans la partie qui est plus technique et technologique de l'expérience. Et l'autre défi, c'est être en présence, dans le temps présent, dans une salle et sur Twitch en même temps, parce qu'il y a un délai, un décalage qui est tout à fait normal, puis qu'il n'y a rien à faire là-dessus.
Je pense que le plus grand défi, c'était de ne pas me laisser happer par la technique. Parce que, comme vous avez pu l'entendre, là, il y a pas mal de points techniques à résoudre, de problèmes. Puis on était très, très ambitieux dès le début. Voilà, voilà, je reprends contrôle de beaux souvenirs. De nouvelles modalités de la diffusion de la charge création. Alors, c'est sûr que vu que la sortie des résidences est toujours publique, avec le grand public qui y est invité, parce que c'est aussi finalement le public cible de nos partenaires, l'accessibilité est prise en compte dès la conception du projet. On intègre au scénario des stratégies d'embarquement cognitif, d'onboarding, pour le dire en anglais, qui facilite finalement la compréhension des publics de sa participation à l'intérieur des interfaces. Le laboratoire est ouvert donc au public et ça lui permet de jeter un œil, de voir comment que la co-création et la création technologique, ça se passe, ça se fait. On propose donc des essais, qui est une forme moins pompeuse que l'œuvre en tant que telle, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas manipuler, qui est quasiment presque un élément fini, en fait. Là, on est dans un essai qui est en cours d'évolution. Le grand public, évidemment, touche, expérimente ces essais, donc a accès, évidemment, aux connaissances qui sont mobilisées à travers la technologie. C'est à travers ça. C'est à travers ce contact qui a fait une mobilisation des connaissances théoriques, notamment. On a touché quand même pas mal de monde. Un autre truc qui est vraiment fascinant avec ces outils, c'est que ça nous permet d'avoir une analyse des publics extrêmement détaillée. C'est les outils qui peuvent nous permettre aussi de développer tout plus de projets. Alors, je sais que je dépasse un peu, alors je vais juste remercier tous les partenaires et simplement peut-être arrêter mon partage pour accueillir des questions. Merci beaucoup, Jean-Ambroise. Moi, j'ai une question très rapide, puis je vais la résumer. Dans le processus que tu as mis en place avec Twitch, avec la scène, avec les artistes, c'est vraiment une question auquel je n'ai pas la réponse. Elle est dans ton projet. Je me demande comment, dans le contexte de ce que tu nous as présenté, comment tu définirais le concept de co-création, en tenant compte du fait, justement, dans l'être ensemble, dans le fait qu'il y ait vraiment beaucoup d'intervenants, beaucoup de personnes. Comment tu pourrais synthétiser ou définir le concept de co-création dans ce concept-là, en pensant justement à la relation entre diffusion, création et tout l'espace hybride qui se crée dans l'atelier? En fait, c'est une notion qui en nuance, parce qu'à quelque part, le public participe. Donc, il met en œuvre, finalement, si tu veux, par son agentivité de groupe, qui est reproduite à travers l'interface textuelle, mais qui est aussi ressentie. Donc, je pense qu'il y a un effet de boucle qui se fait de lui à l'autre. C'est que c'est une forme de co-création. Il y a d'autres formes de co-création qui ont lieu à travers les différents artistes qui ont tous perdu un peu des plumes, parce que ce n'est pas exactement leurs projets qui ont été faits, mais c'est autre chose. La co-création, c'est une sorte de nuage qui s'adapte, qui nous permet d'avoir un design ouvert aussi. Mais je t'avoue que dans certains cas, j'ai donné les rênes, plus particulièrement à Natalia, qui était la performeuse en direct, qui est devenue finalement le point, la leader du projet et qui finalement tout le monde tournait autour de la performance qu'elle a donnée. Donc ça a été de la co-création, une construction vers et en lien au support à une performance, si j'ose préciser les choses. Mm-hmm. Et est-ce que tu crois que la technologie est un acteur dans le contexte de la co-création? Bah, c'est un agent assez efficace, en fait. Tout simplement, regarde, est-ce qu'on est anonyme ou pas, en fait, par rapport au pseudo qu'on prend, en fait, sur Twitch. Je sais qu'on a fait plusieurs répètes. Natalia a retrouvé un peu les mêmes personnes avec le même pseudo. Ça crée un lien, donc il y a quelque chose qui se fait, mais il y a aussi différents types de masques qui se font à travers ça.
Non, certainement que la technologie a beaucoup à faire, mais dans certains cas, on a aussi rendu manuel certains contrôles aussi, parce que dans le fond, ça permet de transférer plus de sensibilité. Donc, ça dépend aussi de quel point de vue on prend les choses. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est vraiment éclairant, très intéressant. On va suivre ça de près, puis on va publiciser pour que les étudiants puissent participer à tes projets de résidence dans le cadre de Hexagram. Écoute, juste un petit mot pour répondre à Luc. Dans le fond, c'est sûr que les habitués du théâtre du Vieux-Noranda connaissent bien Facebook. Donc, ils cliquent, ils regardent une vidéo, ça a bien marché. Je ne suis pas en mesure de savoir s'il y a beaucoup d'entre eux qui ont été sur Twitch. Je ne suis pas certain. Mais reste que ça renouvelle l'auditoire pour le petit théâtre, en fait. Et dans le fond, ça réactualise un petit peu, ça met au goût du jour le théâtre qui doit gérer d'autres formes de commentaires et qui doivent aussi réactualiser sa manière de faire. Ah, merci beaucoup. Donc, la question, c'était est-ce que l'auditoire s'est-il élargi avec Twitch pour le petit théâtre ? En partie, il s'est réactualisé. On est allé chercher d'autres personnes qui ont d'autres habitudes, qui ont d'autres consommations aussi, parce que Twitch, c'est souvent des 2-3 heures où on fait autre chose, on regarde, vous savez. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une 10 minutes. Qu'une pièce de théâtre. Merci beaucoup, Jean-Brun. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Non, je pense qu'on doit passer au prochain intervenant. Moi, d'accord. Je remercie encore une fois Jean-Ambroise Vézac parce qu'on tenait, on voulait beaucoup que tu partages ce qui se fait à Rouyn-Noranda, car ça, toute cette collaboration interdisciplinaire est vraiment représentative des collaborations qu'on souhaite à Hexagram. Donc, merci. Oui, merci beaucoup. Pour ton support. Donc, on va passer au prochain intervenant. Donc, merci Jean-Ambroise. Reda Alouache est généraliste qui a porté différents chapeaux professionnels au cours de ses 16 années d'expérience dans le secteur de l'animation 3D. Reda a commencé à travailler en tant qu'artiste et animateur dans différents spots publicitaires, des événements, des séries télévisées pendant plus d'une décennie. Il a occupé des postes de direction et de gestion pour des séries animées en 3D pendant plusieurs années. Et en plus de ses études en design graphique et animation 3D, Reda a été webmaster au moment de l'avènement du Web 2.0, ce qui lui a amené des compétences de programmation et de maîtrise très fines des processus de conception et de programmation. Donc aujourd'hui, il est étudiant à l'École NAD et poursuit une maîtrise en arts numériques et animation 3D. Alors, on va montrer la séquence vidéo produite par Reda, puis ensuite, on va avoir le temps pour une question. Dans le cadre de l'événement sur exposition, ce projet de recherche-création porte sur la diffusion d'archives numériques dans un environnement immersif. Le projet Pulgamondo cherche à interfacer les archives numériques existantes du monde du purgatoire, tel qu'il nous est parvenu après des siècles d'interprétation par de nombreux auteurs. Outre tous les concepts narratifs pertinents tels que le temps, l'espace ou l'intrigue, le story world, ou le monde dans lequel vivent les personnages d'une histoire, selon Marie-Laure Ryan, est le moins abordé lorsqu'il s'agit de représenter une littérature dans son état d'archive. En raison de sa nature non linéaire, un système a dû être pensé et créé pour saisir le phénomène expérientiel d'un story world, ce qui pourrait nous rapprocher de la réinterprétation de contenu. Pour éviter toute contrainte de modélisation du système dès le départ, nous avons préféré laisser la création montrer la voie et tenter de répondre à la question suivante. Comment spatialiser et combiner les archives d'une manière qui nous permet de saisir une nouvelle interprétation du story world? Nous avons commencé par la métaphore générative de Sean, qui est une façon de définir un problème en déplaçant un concept d'un domaine à un autre pour raisonner avec, et ainsi générer des idées de solutions. En ce qui nous concerne, nous avons choisi la métaphore des débris d'une planète explosée. Les débris sont des archives avec une distribution sphérique, où la timeline commence en son centre et se termine à la périphérie. La mission consiste à explorer des débris et à les rassembler pour former le story world, ou du moins les structures sur lesquelles il est construit. L'archive étant multimodale, les éléments peuvent être comparés à tout autre élément de la même modalité, ce qui faciliterait l'intertextualité. Les deux textes peuvent être synchronisés et défilés par ligne ou par canto, tout en augmentant ou en réduisant la visibilité contextuelle. Pour les systèmes de navigation, l'ensemble des archives est accessible à partir de n'importe quel point d'entrée,
et se poursuit au suivant. Par exemple, en commençant la lecture au XXe siècle et en continuant au XVIIe siècle, non seulement nous échangeons les éléments, mais nous nous téléportons également pour changer d'époque, tout en continuant la lecture et en ayant les éléments d'archives de cette époque tout autour de nous. Une sorte de saut dans l'espace et le temps qui est très convivial sur le plan herméneutique. Cela est rendu possible par la correspondance de leurs métadonnées de navigation en termes de relations sémantiques et non d'hyperliens statiques. Le croisement dans ce système de navigation ne permettrait d'aborder l'interprétation comme une transfiction. En effet, selon Marie-Laurie Ryan, la transfiction est la migration d'entités fictionnelles à travers différents textes. Ainsi, le croisement de compréhensions provenant de sources différentes va finir par créer une interprétation convergente vers quelque chose de central. Il en va de même pour les images. On fait défiler la séquence. Elle peut être comparée à n'importe quel autre visuel de l'archive. Et leur croisement générerait une histoire interséquentielle. Le son et les vidéos sont également accessibles et feront partie de cet écosystème grandissant. What is the difference between them, between these two women? They are two different forms of poetry, actual faculty of himself as a poet, and the cantos that will come. Au-delà de la systémique, la navigation se fait comme dans l'espace. Une sensation de dérive se fait sentir et l'arrêt n'est pas immédiat. En passant devant un élément, on entre et on sort de sa zone d'orbite. Rien ne se passe tant qu'on ne l'a pas saisi. On est donc maintenu, contraint dans son orbite avec un certain décalage directionnel tout en continuant à voir l'archive tout autour. Puis nous le relâchons pour continuer notre navigation. La zone d'orbite de n'importe quel élément peut également être atteinte par un faisceau de visée à n'importe quelle distance. Nous pouvons rechercher n'importe quelle référence dans l'archive par le nom de l'auteur. Nous y sommes instantanément téléportés. Une possibilité également de prendre des notes pour la partie concernée de la lecture et de la sauvegarder avec les métadonnées. Ces éléments notés constituent une constellation qui planerait autour d'une conclusion ou d'une interprétation cohérente. Tous les éléments de l'archive visité sont sauvegardés et un parcours peut être affiché à tout moment pour voir ce qui a été exploré. Dans le cadre d'un flux de travail collaboratif, les parcours et constellations des autres chercheurs ainsi que leurs notes peuvent être échangées, importées ou référencées. Dans l'optique d'une expansion future, l'interface vise à utiliser des bases de données pour concevoir un système d'archivage littéraire centré sur le storyboard. Par exemple, ce contenu était récupéré d'une base de données de 500 documents stockés sur le cloud. Nous pouvons ensuite revenir en arrière dans une sorte de hub cosmique pour choisir un autre storyboard auquel nous connecter et récupérer le contenu. Enfin, comme Marie-Laurie Ryan a surfé sur la convergence des médias pour expliquer que la convergence des narratives définit en quelque sorte un story world. Nous aimerions réfléchir à une activité convergente de construction de monde ou de world building, où les chercheurs pourraient échanger leurs données d'exploration, s'appuyer les uns sur les autres et même collaborer en temps réel. Merci. Merci beaucoup, Reda. Donc, si Reda est disponible et présent, on peut l'afficher. Donc, bravo pour cette présentation.
J'aurais peut-être une question plus d'ordre général. Comment définirais-tu l'activité de world building dans le contexte de la relation entre le chercheur, le créateur et l'interface que tu es en train de mettre en place? Bonjour et merci de m'avoir reçu. Moi, je définirais le world building comme étant c'est un domaine. Il est connu que c'est un domaine multidisciplinaire. C'est impossible que quelqu'un tout seul puisse faire du world building. Et les chercheurs pouvaient faire créer, par exemple, des environnements, des personnages et même des musiciens, des histoires. Tous ceux qui peuvent construire quelque chose peuvent utiliser l'archive pour faire leurs recherches, pour pouvoir s'exprimer ou interpréter les données. Et par la même occasion, faire échanger leurs données pour essayer de converger leurs travaux vers quelque chose de central, ce qui est le monde qu'ils sont en train d'essayer de construire. Et est-ce que le parcours va être enregistré? Est-ce que, par exemple, si moi, si une journée, tu as fait un parcours dans l'archive, tu m'envoies la référence, je m'installe puis je me laisse guider par ta visite? Voilà, c'est ça. C'est les données de navigation peuvent être enregistrées dans un fichier et envoyées par mail ou quelque chose de cette façon-là. Envoyer ça, c'est toutes les constellations, que tous les éléments visités sont enregistrés avec les notes, avec plein de choses. Et l'autre chercheur peut juste faire une référence à ce travail-là pour voir ce que son collègue avait trouvé, pour pouvoir bâtir au-dessus et ou juste faire importer et continuer le travail de son collègue. Mais jusqu'à présent, là, j'essaie de faire intégrer les bases de données pour parce que j'avais pensé à générer les données d'utilisateurs, ce qui m'amène à utiliser les big data aussi. C'est une façon de relier l'exploration du chercheur avec les données de l'archive. C'est une façon de dire que essayer de savoir qui fait quoi avec quelles données. Ces données-là, si on peut les avoir dans une base de données, ils peuvent être échangés entre chercheurs. Ben c'est le but ultime. On peut dire ça. Donc, de créer un espace, pour reprendre Jean Braz, un espace de co-création, de collaboration et ouais, de partage des interprétations et des parcours au sein d'un espace d'archives. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une question posée par Luc, la prochaine sur le chat. Est-ce que, je pense que tu l'as peut-être déjà répondu un peu, mais est-ce que l'observateur ou l'utilisateur se déplace dans la base de données où les données viennent? À elle ou à lui? Pour l'instant, c'est les données, on les reçoit dès la création de l'environnement, on reçoit les données. Mais ce n'est pas un problème de se connecter à chaque fois à chaque fois qu'on veut une donnée de la base de données. On peut, ça peut être sélectif. C'est pas un problème. Ce n'est pas une contrainte, ce que je veux dire. D'accord. Merci. Bien. Merci beaucoup, Reda. J'aurais encore d'autres questions, mais on doit suivre l'horaire qui est celui de surexposition. Donc, merci beaucoup. Très intéressant, comme toutes les présentations d'aujourd'hui. Vraiment, je trouve ça très riche. Donc, j'aimerais maintenant présenter Luc Courchesne. Donc, Luc Courchesne est un pionnier de la création numérique à Montréal et à l'international. Des portraits interactifs aux expériences immersives, il crée des œuvres innovantes et engageantes qui lui ont mérité des récompenses nombreuses et prestigieuses, comme le prix du gouvernement général et en arts médiatiques en 2021, le prix Paul-Émile Bourdieu en 2019, le grand prix de la Biennale de l'ICC à Tokyo en 1997, une Award of Distinction à Ars Electronica en 1999 à Linz,
Ces œuvres font partie de grandes collections et ont fait l'objet d'environ 180 expositions à travers le monde. Diplômée du Nova Scotia College of Art and Design en 1974 et du MIT en 1984, il a été l'élève d'Anthony Mann, de Michael Snow et d'Otto Pieney. Il est un membre fondateur et qui a énormément contribué à la Société des arts et qui continue de contribuer à la Société des arts technologiques de Montréal. Il est professeur honoraire à l'Université de Montréal et membre de l'Académie royale des arts du Canada. C'est la galerie Pierre-François Ouellette qui le représente. Donc, sans plus tarder, je laisse la place à Luc Courchêne pour sa présentation de ses plus récents projets et aussi projets qui datent de 2018 jusqu'à maintenant, je crois. À toi, Luc. Merci, merci Yann. Merci tout le monde de m'inviter à ce magnifique panel. On a combien de temps en passant? 30 minutes, je crois. Une trentaine de minutes? OK. On va essayer d'être bref parce que c'est intéressant d'échanger avec les collègues et les gens du public aussi. Donc, je pense que je vais partager l'écran si je le peux. Oui, je crois que ça fonctionne. Je vais vous amener dans ma présentation. C'est des projets en cours, en fait. C'est des choses sur lesquelles je travaille. Les racines de ces projets-là remontent souvent à plusieurs années. Mais il y a toujours des enjeux. C'est des projets qui ne sont pas encore livrés, entre guillemets. Donc, il reste encore du travail à faire là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est un petit texte que j'ai écrit pour mettre un peu la présentation en bouche. Là, je trouve qu'il y a deux questions, en fait, qu'on s'est toujours posées de toute l'histoire de l'humanité, mais qu'on se pose à chaque génération, et puis en particulier ces jours-ci, ces années-ci. De grandes remises en question, c'est où suis-je, dans quel monde suis-je et qui suis-je dans ce monde? Alors, moi, c'est des questions qui me fascinent et puis je pense qu'un des rôles des artistes, au fond, c'est de chercher avec la grande liberté, le grand privilège et liberté qu'on a de trouver des réponses à ces questions-là. Et puis la posture d'art et science, en fait, de créateur-chercheur que nous offre le monde, le milieu académique, comme celui de la plupart d'entre nous ici, Ambroise en tout cas, Yann, est formidable pour réfléchir à ces questions de façon libre. J'ai un préambule à faire. Alain nous a parlé tout à l'heure de son projet de mise en ligne de ces merveilleux événements, là, Alain Thibault, donc Electra, la Biennale d'art numérique et tout ça. Et puis la pandémie nous a forcé un peu tout le monde, et en particulier les diffuseurs comme Electra, à trouver une façon de rester actif, de garder au fond son activité, mais en rejoignant les gens différemment. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Christine Bernier, qui est une collègue à l'Université de Montréal, une professeure d'histoire de l'art et département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, qui donne à chaque année un séminaire sur la muséographie, à des étudiants de l'UQAM et de l'Université de Montréal et d'ailleurs. Et à chaque année, elle demande à un artiste de fournir un corpus d'œuvres que les étudiants utilisent pour faire un commissariat. Donc, normalement, l'exposition est présentée dans une galerie physique à l'université, mais cette année, à cause de la pandémie, on n'avait pas de galerie physique. Donc, moi, je lui ai proposé qu'on fasse une exposition en ligne en utilisant la plateforme Hubs Cloud. Donc, ce que je vous montre actuellement, ce sont des images qui sont tirées de cette plateforme-là. Et l'adresse que vous voyez en bas, là, HTTPS, apparition online, etc., c'est une adresse que vous pouvez vous taper dans votre furteur, idéalement Firefox ou en tout cas furteur récent. Je sais que ça fonctionne avec Safari et Firefox en tout cas. Et donc, vous arrivez... Au lieu d'arriver sur un site web 2D, d'arriver sur une page avec des liens cliquables, on arrive quelque part. Donc, moi, je sens avec cette espèce de transformation du web, d'un espace de 2D vers la 3D, on change d'expertise, on va d'un médium de graphiste ou d'artiste visuel vers un médium d'architecte ou de sculpteur ou d'artiste de l'installation. Donc, moi, j'ai beaucoup pratiqué dans une autre vie le design d'exposition. Alors, je me suis vraiment régalé avec ce médium-là et je me suis amusé avec les étudiants. En fait, je leur ai fourni encore un certain nombre d'œuvres et ils en ont choisi une douzaine. Et pour chacune des œuvres, on a regardé comment se rapprocher le plus possible de l'expérience originale de l'œuvre. Il y en a une en particulier
qui est réussie, c'est celle-ci. C'est un truc qui s'appelle Installation clair-obscur. Ça a été monté juste une fois pour les 100 jours d'art contemporain en 1986, organisé par le SIAC, Claude Gosselin. Et donc, c'était assez coûteux. Il fallait comme construire une salle noire. L'idée, c'était de faire l'expérience de la noirceur. Donc, il fallait construire une salle. Ça a coûté plusieurs milliers de dollars. Et ça n'a jamais été représenté après les 100 jours à cause des coûts. Mais là, on l'a refait ici. Puis là, je vous amène à l'intérieur. Là, c'est des captures d'écran que j'ai fait. Mais si vous allez sur le site, vous pouvez vous déplacer fluidement dans l'espace comme si vous marchiez au fond dans une véritable galerie. Donc là, on entre dans l'espace du futur, qui est finalement une salle complètement noire. À l'époque, il y avait un plafond de rose qu'on ne pouvait pas voir, mais qu'on pouvait sentir. Et puis, on était totalement en immersion dans le noir. Donc, ça préfigure un peu mon travail sur l'immersion qui viendra un peu plus tard. Et donc, l'expérience virtuelle de cet espace-là me ravit assez. Donc, on passe la métaphore, en fait, de l'installation, c'était que la lumière correspond, tout ce qu'on voit est passé, parce que la lumière voyage à une certaine vitesse, et donc, ça peut être un passé très récent, mais c'est passé par définition. Et donc, à l'inverse, l'espace obscur, la noirceur, est un espace de l'imaginaire, un espace qui n'a pas encore été baptisé par la lumière, si on veut. Donc, j'ai joué beaucoup sur cette métaphore à travers toute une série d'œuvres, dont voici une autre ici qui s'appelle la chronocapsule. Et vous voyez, dans cette exposition, j'ai pu reproduire des installations comme à droite. Ici, vous avez, par exemple, une installation qui s'appelle « Paysage numéro 1 ». Et finalement, on ne peut pas, sur la plateforme ObsCloud pour l'instant, on peut présenter de la vidéo, des objets 3D, mais on ne peut pas présenter encore d'œuvres interactives comme celle-là. Mais on peut se rapprocher un peu de l'expérience d'immersion, en particulier quand on arrive dans les panoscopes, par exemple, où on peut carrément entrer à l'intérieur et là, on se retrouve en immersion dans l'espace du panoscope, mais sans la vidéo pour l'instant. Mais je pense que ça va se développer et qu'éventuellement, on aura toutes les fonctionnalités des installations interactives qui étaient coûteuses à transporter, à installer, à opérer dans des espaces virtuels. Et puis, je pense que, comme disait Alain, on ne va pas bouder notre plaisir d'aller dans des galeries physiques, de rencontrer des gens, de boire du vin et puis de manger des petits fromages au vernissage et tout ça. Mais en même temps, on ne pourra pas se passer non plus de faire des versions virtuelles de nos expositions parce que ça rejoint beaucoup plus de gens et ça permet beaucoup plus de choses. Alors, là, j'arrive au fond à une des œuvres dont je vais vous parler de façon plus longue dans cette présentation, Ontologies éphémères, que j'ai mis dans l'exposition, mais comme un portail. Donc, on entre dans ce portail en traversant l'image et puis là, on peut voir cette œuvre. Pas voir l'œuvre, pas faire l'expérience de l'œuvre, parce que l'œuvre originale tourne sur Unity. Donc, c'est un système fermé qui n'est pas disponible en ligne encore, qu'on pourrait télécharger, par exemple, à partir de plateformes de jeux vidéo. Mais c'est une plateforme qui est plus exigeante sur le plan informatique. Donc, ici, c'est une vidéo qui montre un peu l'expérience de cette archive. Comme pour Reda, on parle d'une archive qui est faite de centaines, même de presque d'un millier d'images, d'objets qui peuvent être des vidéos, des photos, des vidéos sphériques comme ici, et toutes sortes d'objets 3D qui sont placés dans un espace. Là, on est loin de la métaphore de la galerie comme dans le projet précédent, mais on est dans un espace comme une archive au fond. C'est pour ça que je posais la question à Reda tout à l'heure. Est-ce qu'on se déplace dans ton archive? Parce que j'ai vu une journaliste qui était très étonnée de comprendre tout à coup que quand on était dans le dôme de la SAT avec cette projection, que ce n'était pas les choses qui venaient à nous. C'est nous qui nous déplacions dans cet espace-là, exactement comme on le fait dans un musée. Dans un musée, c'est pas nous, on n'est pas fixe, puis les œuvres viendront à nous. C'est nous qui marchons vers les choses. Donc, c'est cette chose-là qu'il faut peut-être expliquer encore. Donc, ici, mais la beauté de cette chose, c'est que les objets ne sont jamais classés de façon définitive. Alors, ontologie éphémère, ça fait référence à l'idée que
dans une ontologie, au fond, c'est un modèle du monde. Un modèle du monde, c'est des objets, puis c'est des liens cohérents de ces objets-là qui créent une conception des choses. Mais je baisse le son un peu de la vidéo. J'espère que ça ne baisse pas le son de ma voix pour autant. Donc, l'intérêt de ce côté éphémère des ontologies, c'est qu'on ne fait pas une mise en place ou une muséographie finale et définitive. On peut toujours la réorganiser en temps réel par des algorithmes. Et là, pour l'instant, les algorithmes que j'ai pour réorganiser ce corpus d'environ 1000 objets, c'est, j'en ai trois. J'en ai un qui est un algorithme séquentiel où tous les objets s'organisent en fonction d'une ligne de temps, donc des plus anciens aux plus récents, dans un développement linéaire. J'en ai une autre qui est par catégorie, donc les objets, en fonction de leur metadata, vont être classés par catégorie, donc tout ce qui est photographie, tout ce qui est installation, etc. Et puis, la troisième algorithme, c'est aléatoire. Donc, l'ordinateur décide à partir de certains principes de base, comme par exemple, tous les objets sont à 90 degrés les uns par rapport aux autres, et ils sont de taille, il y a deux ou trois tailles différentes, mais à chaque fois qu'on appelle cet algorithme aléatoire, l'organisation de l'information est différente. Donc, ça crée une architecture éphémère ou une ontologie éphémère. Et l'idée avec ce projet, ce serait de développer davantage d'algorithmes d'organisation pour que le travail de mise en espace ne soit pas décidé par des humains, ce soit plutôt des algorithmes programmés par des humains qui fassent ce travail et de se rendre compte, au fond, de la relativité de tous ces modèles du monde qu'on peut présenter. Alors, moi, un de mes métiers de base, c'est photographe. J'ai toujours fait de la photographie sans jamais vouloir devenir un photographe, mais c'est mon outil de création principal. Et donc, après avoir créé cette espèce d'espace de démonstration éphémère, j'ai envie d'aller à l'intérieur avec ma caméra et là, de faire des images qui pourraient, elles, être cadrées et présentées de façon plus conventionnelle sur les murs d'une galerie. Alors, pour l'instant, le projet d'ontologie éphémère fonctionne de façon très, très simple. C'est dans le nom des fichiers que les algorithmes vont avoir l'information qu'il faut pour organiser l'information selon ces trois modalités-là, donc catégorie, position sur une matrice X, Y, et puis Z étant la ligne de temps. Donc, en nommant les fichiers de cette façon-là, on pourrait prendre un corpus. Là, c'est mes images à moi, mais ça pourrait être celle de n'importe quelle personne, celle d'une institution, et les envoyer dans le système. Et on aurait la possibilité de réorganiser ce contenu-là en temps réel. Et donc, la chose intéressante, c'est qu'on peut avoir des fichiers qui sont aussi, évidemment, des photos, des images, des vidéos mappées sur des sphères ou des demi-sphères. On peut avoir aussi des sons. Donc, on travaille actuellement avec quelques amis pour créer une sorte d'œuvre immersive sonore où les sons vont se resserrer les uns autour de nous. Évidemment, en fonction de notre position puis notre déplacement dans cet univers sonore-là, on va aussi créer un mix qui est extrêmement riche et changeant en fonction de la position qu'on a dans l'orchestre, si on veut. Donc, non seulement les musiciens d'orchestre peuvent bouger dans l'espace, mais en plus, nous, on peut bouger dans l'orchestre. Alors, ça crée vraiment quelque chose d'intéressant. La deuxième question, c'est qui suis-je? Donc, une des choses qui m'est apparue ou qui nous est apparue à plusieurs dans ces espaces immersifs virtuels, c'est que c'est très solitaire. Et donc, j'entendais Alain Thibault tout à l'heure dire qu'éventuellement, on arrivera à créer des lieux de socialisation. Je pense qu'on commence à voir l'émergence de ces plateformes-là. La raison pour laquelle moi j'ai choisi Hubs Cloud de Mozilla comme plateforme de création, en fait, c'est à cause du fait qu'on peut y aller à plusieurs. Donc ça, c'était le vernissage de mon expo, celle que j'ai faite avec les étudiants de Christine Bernier, il y a que trois semaines. Donc, il y avait le soir du vent. On peut avoir un maximum de 24 personnes à la fois dans Hubs Cloud. Donc, ce n'est pas si compliqué à gérer puisque c'est ce qu'on fait actuellement dans les musées. On prend des rendez-vous, puis à cause de la jauge
limité par la pandémie. On doit gérer des rendez-vous. Donc, c'est ce qu'on fait avec notre site Apparition. Donc là, on avait le soir du vernissage nos VIP, c'est-à-dire le doyen de la faculté d'arts et sciences de l'Université de Montréal, Christine Bernier, la professeure, les 12 étudiants, nos assistants et puis quelques invités de marque. On était 22 personnes. Et donc, tous ces gens-là peuvent se déplacer dans l'exposition, parler. Et donc, ça, c'est une petite vidéo qui a été captée par un de nos collègues où moi, je suis en train de préparer une visite guidée, au fond, et de l'exposition, un peu comme si on était physiquement présent. Donc, ça, c'est intéressant de voir qu'on peut reproduire déjà, malgré le côté un peu cartoonesque, là, bande dessinée de la représentation des personnes. Il y a les petits robots génériques de Hobbs Cloud et on peut aller dans certains logiciels pour se faire des trucs plus personnalisés qui nous ressemblent un peu davantage, mais ça reste quand même un peu étrange. Mais on finit par s'habituer à ça. C'est surtout intéressant, je trouve, de voir ces avatars, là, pour l'instant plus ou moins représentatifs, à côté de certains de mes portraits interactifs. Et donc, on commence à se demander, c'est quoi notre humanité là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vaut notre apparence? Ou de quelle façon est-ce qu'on apparaît, au fond, dans ces choses-là? Et c'est la base du projet Apparition, qui est le projet, en fait, c'est de créer une galerie de portraits qui explore, au fond, le rapport au corps, au genre, à l'identité. Et ce que ça induit comme type de conversation, de relations humaines, de modèle de socialisation. Alors, c'est un tout premier prototype de ce que serait une galerie de portraits où on pose ces questions-là sur l'identité, mais dans un contexte vraiment où aujourd'hui, on sort vraiment des enjeux très, très binaires par rapport au genre et puis... on pourrait aborder ces questions-là là-dedans. Donc, c'est un projet artistique, mais qui touche aussi, je pense, à des dimensions anthropologiques, sociologiques, etc. Mais le vrai point que je veux amener aujourd'hui, c'est dans la création de ces avatars, comme on va être appelé de plus en plus à interagir en ligne, ensemble, en parallèle avec nos interactions dans l'espace physique. Donc, on doit se préoccuper sur la façon dont on s'habille. Donc, le matin, quand on s'habille en fonction de l'horaire de la journée. Là. Aller dans un site avec son avatar, idéalement, ce serait l'avatar qui nous représente ou qu'on choisit d'utiliser cette journée-là. Et donc, ça, c'est quelques exemples. L'avatar que j'ai importé moi, dans Hobbs Cloud a été créé par un site qui s'appelle readyplayer.me. Et donc, où on peut, à partir supposément d'une photo d'un visage, créer son avatar. Mais c'est loin d'être convaincant. Je pense que c'est plutôt un concept qu'une réalité. Je trouvais, par exemple, que l'autre site qui est intéressant aussi, spatial.io, qui permet aussi d'importer des modèles 3D, de créer des espaces génériques dans lesquels on invite les gens. Et celui-là, je pense, est plus généreux en termes du nombre de personnes en même temps. Lui, il part d'une photo. Et à partir de la photo, il génère une sorte de marionnette 3D. Mais là, déjà, on peut davantage reconnaître à qui on a affaire. Donc, c'est plus moi. Mais la chose sur laquelle on a travaillé à la SAT et que j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de développer davantage, c'est celle-là. C'est une approche de capture. Donc, au lieu d'arriver dans ces espaces sociaux virtuels en ligne avec des avatars préfabriqués, ce serait de pouvoir être capté, un peu comme on l'est actuellement dans Zoom ou avec FaceTime ou avec Skype, donc de la vidéo 3D temps réel. Et donc ça, c'est un test qu'on a fait avec des Kinect de première génération à la SAT en 2012-2013. Vous voyez, c'est loin d'être parfait. Mais on n'est pas devant un avatar, on est devant une vidéo, mais une vidéo volumique, si vous voulez, de la chose. Donc, en faisant évoluer le projet, on arrivait à des choses un peu comme ça. Le problème de ça, c'était, on sent au fond, on voit exactement à qui on a affaire. Par contre, c'est des fichiers de data très lourds. Et quand on a fait notre expérience, le troisième projet dont je voulais vous parler, c'est la téléportation. C'est comment on se téléporte, au fond, dans des espaces sociaux en ligne. La plateforme Posture, ici, est un genre de dispositif de téléport.
Ça, c'est un prototype qui date de 2013-2014. Donc, on est vu par ces trois caméras-là. Il faut calibrer son orientation pour que tout le monde se mette dans la même orientation par rapport à un nord partagé. Et après ça, on sait que quand on va se rencontrer dans cet espace-là, en vidéoprésence 3D, on va être face à face, on va pouvoir reproduire les comportements qu'on a dans l'espace physique. Donc ici, j'arrive avec l'expérience qu'on a faite entre la SAT à Montréal et FACT à Liverpool en 2013, où il y a une personne à Montréal qui parle avec quelqu'un qui est à Liverpool. Vous allez voir, le niveau de résolution est très bas, mais avec la voix et l'interaction temps réel, on pouvait quand même savoir qu'on faisait affaire avec une vraie personne, mais à distance. Alors, l'état du dispositif en 2013-2014, c'était ça. Le projet que je tente de relancer maintenant, puis je fais un appel à tous là, avec nos amis d'Hexagram, possiblement, ceux de la SAT, etc., c'est de voir s'il n'y a pas des gens qui sont intéressés à m'aider à poursuivre ce projet-là, parce qu'on en a besoin si on doit passer plus de temps en ligne pour socialiser, mais aussi pour travailler. On a besoin d'outils qui sont un peu plus respectueux de nos apparences. Voilà. Alors, pour terminer, j'aime bien, moi, cette image. Léonard de Vinci a fait l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve, c'est une idée du 16e siècle, mais inspirée par un traité d'architecture du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, Vitruve, c'est un architecte qui a écrit un traité d'architecture où il expliquait, au fond, que l'architecture idéale, c'est une architecture qui est faite selon les proportions du corps humain. Mais le traité de Vitruve, on pense qu'il n'était pas illustré. Léonard de Vinci a aimé l'idée, il a illustré ça en essayant de chercher les proportions idéales du corps humain. Alors, moi, je sans nécessairement penser à ce projet-là, je pense qu'il faut, il faut revoir un peu notre rapport à l'espace, parce que notre rapport à l'espace, il dépasse de beaucoup maintenant les enjeux d'architecture, c'est des enjeux d'espace numérique. Et donc, mon homme de Vitruve, si vous voulez, qui date de 84, je l'ai simplifié, et puis maintenant, je l'importe de toutes sortes de façons dans des espaces que je fais. C'est un peu mon baromètre, c'est mon point zéro du monde, et c'est la chose qui répond à la fois à la question pour moi de où suis-je et qui suis-je. Voilà. Alors, ça conclut ma présentation. Yann, si tu veux qu'on passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc. Super, très intéressant. Une belle synthèse. J'avais une question rapide. Dans le contexte des avatars, on a des avatars qui sont des représentations fantaisistes ou imaginées où la personne se réinvente dans les réseaux sociaux. Puis on a à l'opposé l'avatar qui serait une captation réelle de notre corps qui serait reproduit dans les réseaux, sur les réseaux. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à cette idée-là? Est-ce que tu penches plus vers un côté que l'autre ou c'est simplement un espace de langage? Je pense que c'est ça, moi, au départ, quand on a présenté ça dans le symposium IX à quelques reprises à la SAT, puis quand on présentait le projet, on se disait, j'avais l'impression que tout le monde voulait être comme ils sont. Tu sais, le matin, tu décides de t'habiller de telle façon, tu voulais apparaître comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, non, moi, je veux pas. Moi, je préfère être une barre de chocolat ou un bouquet de fleurs parce que de temps en temps, on a besoin de fantaisie ou on a besoin, pas de se déguiser, mais la capacité de jouer avec son image ou avec le degré de sa reconnaissabilité ou de sa visibilité, en fait, est un avantage qu'on peut avoir là-dedans. Mais je pense que le spectre doit être très, très large. On doit pouvoir être invisible dans le bout du spectre ou avoir l'air d'un objet fantaisiste, si on veut. Et puis, à l'autre bout du spectre, quand c'est nécessaire, si, par exemple, on est en train de travailler avec des collègues ingénieurs sur un moteur d'avion, puis ou qu'on est dans une négociation compliquée avec des avocats, de pouvoir lire les expressions du visage ou la position du corps ou le body language peut devenir très important. Donc, on doit élargir le spectre, mais il ne faut pas exclure le fait que de temps en temps, on voudrait être invisible ou encore avoir l'air d'autre chose que de soi-même. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Moi, il n'y a pas de question sur le chat, mais j'ai une question pour Luc également. Par rapport au projet des anthologies éphémères, peut-être que vous l'avez mentionné, je ne l'ai pas capté, le corpus des 1000 objets que vous avez documentés et que vous présentez, dans lesquels on peut naviguer, il a été récupéré où? Est-ce que ce sont de vos objets? Est-ce qu'on parle ici de l'anthologie du monde de l'artiste? Oui, c'est ça. C'est un peu c'est mon archive à moi. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un m'avait proposé de faire une exposition rétrospective, et donc j'avais préparé beaucoup de matériel, des vidéos, des documentaires, des photos, tout ça. Et l'exposition n'a pas été financée, donc elle a été annulée. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis donc c'est là que je me suis dit, je vais faire ma propre expo finalement. Mais ça, c'est il y a une dizaine d'années. Puis comme j'avais un corpus de base qui était sur lequel j'avais mis pas mal de temps, j'ai continué à le garder à jour, donc j'ai rajouté des choses. Puis, j'ai eu des projets parallèles qui m'ont aidé aussi à développer les algorithmes. Par exemple, quand Félix Lambert a eu 90 ans, elle m'a demandé d'appliquer ces algorithmes-là à son corpus à elle. Donc, on a pris toutes les archives du CCA, une partie des archives du CCA de ses photos à elle pour créer une sorte de cadeau d'anniversaire à Félix Lambert qui était présenté dans le Dôme de la Salle. Donc, c'était tous ces projets-là font évoluer le projet, mais je m'éloigne graduellement de mon propre corpus à moi. Par exemple, je m'en vais faire une résidence de création à Vienne au mois de novembre. Le projet s'appelle Vienne clair-obscur et je vais documenter la ville, je vais photographier la ville, documenter la ville pour en faire une sorte d'archive comme ça dans laquelle on pourra se promener. Très bien. Il y a une autre question sur le chat que je vais transmettre de la part de Alexandre Castonguay. Qu'arrive-t-il lorsqu'on ajoute l'espace social et ces questions d'inéquité, accès lié aux origines socio-économiques, de genre, etc., à la question de l'espace tridimensionnel? Bien, c'est le même enjeu, au fond, Alexandre, merci pour ta question, que les expositions dans les musées. Tout le monde ne va pas au musée voir l'exposition de Riopel. Tout le monde ne va pas aller en ligne pour voir mon exposition, soit parce que le sujet ne les intéresse pas, ou encore, ou qu'ils ne le savent pas, ou encore parce que dans le cas des expositions en ligne, on n'aurait peut-être pas l'ordinateur avec la dernière version du Furter qui nous permet d'aller sur ces espaces-là. Donc, on serait des exclus économiques, si on veut, ou culturels. Mais ça, il faut pas l'accepter. Je pense que l'idée de l'accessibilité universelle, ça reste un vrai enjeu, à la fois pour les musées, les galeries, les lieux de culture. Donc, on a vu beaucoup de journées, les journées de la culture gratuites à l'automne à Montréal, c'est pour élargir l'accès à la culture, mais les musées ne pourraient pas rester gratuits, ou certains musées en tout cas, à l'année, parce que ça fait partie de leur modèle économique. Alors, je pense que les expositions en ligne auraient le potentiel d'être beaucoup plus accessibles que les expositions physiques, mais elles ne le sont pas totalement à cause de l'accès au matériel qu'il faut pour y aller, notamment les casques de réalité virtuelle. Dans ObsCloud, heureusement, on peut y aller avec n'importe quel appareil, à condition qu'il soit assez récent. Mais l'idéal, c'est d'avoir un casque, mais ça, c'est loin d'être si répandu pour l'instant. Merci beaucoup, Luc. Écoutez, on arrive à la conclusion de notre présentation. Peut-être que tout le monde, vous pourriez ouvrir vos caméras, qu'on puisse avoir une photo finish, si on veut, de tout le monde qui a participé à cet événement-là. Donc, je remercie très chaleureusement. Donc, vous pouvez tous ouvrir vos caméras. Jean-Ambroise, Reda, à moins que vous soyez parti prendre un café. Donc, merci Alain, merci à tous d'avoir participé. Merci Reda, Jean-Ambroise évidemment. Merci Jessica pour votre participation. Et donc on se revoit pour la prochaine surexposition. Je vais laisser le dernier mot à Manuel pour conclure notre stream, notre conférence et notre échange que j'ai trouvé super intéressant. Alors, merci à tous les participants et merci au public qui a assisté à la présentation. Merci également à toi, Yann, pour la médiation. Et merci aussi à Sylvain Aubé, qui est responsable de la diffusion
de notre deuxième séance sur la thématique de la diffusion. Et oui, c'est un rendez-vous dans 2 semaines, le 10 juin, pour la troisième et dernière séance de ces rencontres avec, je répète, les invités du Centre Wifi, Myriam Achard et Daniel Fizet. Alors, à dans 2 semaines. Bye, merci. Bye tout le monde. Alain.